Papa. Papa. Papa, un signe qu'on soit non. Je vais rentrer. Attends, quelle vidéo? J'étais là. Là, là où? Voilà. Pourquoi vous là, vous êtes comme ça, non? Toi et ta soeur, là, mais c'est quel genre d'affaire de paix? Pourquoi as-tu fait prison? Quand le matin arrive comme ça, vous ne faites rien dans la maison là, si ce n'est pas pour vous promener. J'espère que c'est pas pour me parler mal comme la dernière fois là. Hey papa, pourquoi t'es parlé mal? C'est mon patron. Ah, c'est aujourd'hui tu sais que c'est ton patron. J'ai toujours su. Non, l'autre jour tu es venu ici, tu as commencé à me parler mal. Tu dis moi je te paye pas, c'est rentré, c'est sorti. Désormais tu vas te payer dans mon argent. C'est pas ce que tu as dit. Myriam, c'est parce que je me suis calmé. C'est parce que je me suis calmé même, Myriam. Non, si moi je t'ai renvoyé là, hein. Si je t'ai renvoyé là, même dans le cabaret, tu vas pas avoir place. Mon patron. C'est vous le grand paquet? Oui, c'est le grand paquet du Barack Obama. Ah bon? Oui, je ne suis pas n'importe qui moi. Ça va, non? Oui, ça va, ça va. Ouais, il cherche chez Vieux Brahma là. Tu cherches chez Vieux Brahma? Oui, je partais voir le blanc. Mm-hmm. Parce que m'a dit que c'est lui qui avait fait le papier de Vieux Brahma pour qu'il parte à Paris. Ah oui, donc c'est pourquoi je partais le voir. Mm-hmm. Si réellement il peut m'aider pour que je puisse rentrer à Paris. C'est ça on dit de l'Afrique là. Vous ne connaissez pas quelque chose, vous demandez. Hey. Qui t'a dit que c'est le blanc qui a fait le papier de Vieux Brahma? Mais c'est ce qu'on nous dit dans l'avenir ici. Quand on ne connaît pas, on demande. Myriam, c'est la durée de. Et c'est la même là, elle n'a pas fui avec mon argent. Y a comment elle arrive là-bas? Pardon, je suis arrivée. Myriam, depuis là, y a quoi? Non, la femme n'était pas là-haut. D'où tu l'as attendue? Elle aussi, elle s'assoit jamais. Ok. Viens déposer ça. Le papier de Vieux Brahma, c'est moi le grand papa qui a fait ce papier. Ah bon? Tu as compris? Oui. Et puis, c'est encore moi qui ai payé son billet d'avion. Ah, hein? Je ne suis pas n'importe qui. Vraiment? Oui. Vraiment? Et puis c'est encore moi, j'ai payé son billet d'avion pour qu'il parte. Vieux oui. Brahma? C'est moi, j'ai payé une chose. Le billet d'avion de Vieux Brahma. Ah bon? Oui. Si tu veux partir à Paris, uh-huh. Ou tu veux partir n'importe où, oui, faut venir me voir. Ah bon? Faut venir me voir. Ah, c'est que Dieu merci, tu as croisé alors? Ouais, faut dire Dieu merci. Oui. Je dis, tu as la chance. Mm-hmm. Sinon, je ne sors pas comme ça. Hein. Ah bon? Oui. C'est moi, j'ai fait trop l'Europe. J'ai fait l'Amérique. Maintenant, j'ai décidé de venir rester au pays pour travailler. Mm-hmm. Voilà. Et puis, j'ai aidé beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup, beaucoup aidé les jeunes. Ah bon? Voilà. Moi, j'ai beaucoup aidé les jeunes. Donc, si tu veux, mm-hmm. J'espère que tu as tous tes papiers au complet. Non, j'ai mon passeport. Je n'ai pas encore le billet d'avion. En tout cas, j'ai mon passeport. Ah, tu n'as pas de billet d'avion? Non, non, non.
C'est ça qui crée le qui crée les problèmes. Oui, oui. Ok, c'est bien d'avion là, faut laisser. Je vais gérer ça. J'espère que c'est pas me parler mal comme la dernière fois là. Hey, pardon, pourquoi t'es parlé mal? Tu es mon patron. Ah, c'est aujourd'hui tu sais que je suis ton patron. J'ai toujours su. Non, l'autre jour tu es venu ici, tu as commencé à me parler mal. Tu dis moi je te paye pas, c'est rentré, c'est sorti. Désormais tu vas te payer dans mon argent. C'est pas ce que tu as dit. Myriam, c'est parce que je me suis calmé. Hein. C'est parce que je me suis calmé même, Myriam. Non, si moi je t'ai renvoyé là, hein. Si je t'ai renvoyé là, même dans le cabaret, tu vas pas avoir place. Non, patron. Non, c'est la vérité. Patron, excuse-moi pour la dernière fois là. En fait, il y aura une fête pour vieux Brahima. Donc, j'avais besoin d'un peu d'argent pour aller me dresser. C'est pourquoi j'ai dit ça, sinon... Donc, tu as fait tout ça à la cause des fêtes de vieux Brahima. C'est une grande fête. Fête de vieux Brahima, c'est où ça? C'est ici, ça se passe. Ici, où ça? Ici, au cœur, ici, devant ici. Voilà, je vais t'aider. Hey, ça me fait plaisir. Je vais t'aider. Merci d'enfance. Voilà. Merci d'enfance. Tu as tous tes papiers. Oui. C'est le problème de billet d'avion. Voilà. Je vais gérer ça. Je vais payer ton billet d'avion. Ok. Voilà. Bon. Seulement que dans ces temps-là, à cause de la pandémie. Oui. Bon. Et puis mon chauffeur aussi est malade. Sinon, j'ai un avion personnel. Chauffeur? Oui, mon chauffeur est malade. Il est allé te déposer comme ça, 135 francs. Attends. Je te demande rien. Pilote ou bien chauffeur, Vipère? Mon petit. Pilote, chauffeur, c'est la même chose. Chauffeur, il conduit, non? Oui. Pilote conduit. Où est le problème? Hein? Je te dis que je vais t'aider. Oui. Bon, comme c'est comme ça, je vais voir ce que je peux faire. Je vais payer ton billet d'avion. Eh! Oui. Je peux, merci. Oui. Merci. Je vais faire ça pour toi. Voilà. Mais c'est dans quel pays tu veux partir? Bon, moi, je vais aller à Paris. Paris. C'est Paris en tout cas, je vais partir. Ok. Bon, ce qu'on va faire. Oui. Aujourd'hui, on s'est croisé dans la rue. Comme ça, je vais quelque part. Parce que la fête qu'on doit organiser à ce vieux Brahmala, il y a un monsieur qui veut annuler ça. Ah bon? Voilà, il veut annuler ça. Il dit il est le chef de terre. La fête que les jeunes ont organisée là? Voilà, il veut annuler que lui, il est le chef de terre. Il n'est pas au courant. Oui? Donc, c'est là-bas, je m'en vais. Je vais aller décanter la situation. Voilà. J'ai même invité les choses, comme on appelle là, Beyoncé. Tu connais Beyoncé? Les Econ, beaucoup d'artistes européens. Beyoncé, oui, Econ. Et tous, les plus grands que eux-mêmes qui doivent venir. Papa, un 5 au soir, non. Je vais rentrer. Donc, tu cherches à me voir au bureau, à mon bureau. Tu te renseignes, ils vont te montrer mon bureau. Il n'y a pas de problème. Si tu viens au bureau que tu ne me vois pas, tu connais Ablo Diassa?
C'est pas lui qui fait Kabino, qui fait la cité Vieux Brahma. Voilà, la cité Vieux Brahma. Oui, oui, oui. Tu viens, tu dis Vieux Père, j'ai besoin de Vieux Père Parker. Oui, c'est où me trouver. Ah bon? Tu as compris? Oui, oui. Faut pas te tracasser pour ça. Ok. Voilà, donc c'est ça. Ok, mais Vieux Père, excuse-moi, je voulais te demander quelque chose là. Ah, ok, ok. Si c'est pour me demander, oui. c'est l'occasion, hein. Parce que moi, pour me voir là, il faut demander une audience. Ah bon? Dieu merci, tu m'as vu face à face. Oui. Demande-moi tout ce que tu veux. Elle sait que c'est Dieu qui m'a sauvé. Oui. Demande-moi tout ce que tu veux. Excuse-moi, comme je vais à Djamé là, je suis un peu fouché. Je voulais vraiment si je pouvais avoir 500 pour que je puisse emprunter ma bus pour aller. 500. Tiens, moi, je ne me promène pas à la liquidité. Ah bon? Je n'ai pas de la liquidité sur moi. Tiens, je me promène des chèques. On peut pas faire des chèques de 500 aussi. Non, non, non. C'est que si tu me trouves à mon bureau, ok. Voilà, on va gérer ça. Ok. Voilà. Ok, donc on fait ça. Ok. Ok. Donc, moi, merci à toi. On ensemble. Merci. Ah. J'aime dans la minute. Tiens, ma commentaire. Ok. Donc, tu n'as même pas besoin d'argent pour aller te coiffer. Tu es déjà belle comme ça. Mais si là, c'est perruque. C'est bon comme ça. Faites de bien vraiment là, c'est ici. C'est pourquoi j'ai refait la peinture d'ici. Ah, tu vois pas. C'est ici on va faire la fête de Vieux Brahima. Mais papa, il fallait me dire ça, tu m'as pas dit. Oh. Les artistes même ont déjà commencé à répéter. Tu vois pas tout ça. Mais j'ai pas fait la remarque. Hein. Donc faut même pas t'inquiéter, fête de Vieux Brahima là, c'est ici. Hey. C'est bon, hein. Dieu merci, patron. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc patron, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc je vais aller travailler. Oui, oui, d'accord. Afi. J'étais là. Là-haut. Voilà. Pourquoi vous la voulez comme ça, non? Toi et ta soeur, là, mais c'est quel genre d'affaire de paix? Pourquoi a-t-il fait prison? Quand le matin arrive comme ça, vous ne faites rien dans la maison, là, si ce n'est pas pour vous promener. Pourquoi a-t-il fait prison? Le porte de où est ta petite soeur? Comment ça? Moi j'ai fermé la porte là. Où elle est passée où pour sortir tout de suite là? Hein? Elle est passée où? Passée au cinéma. Je m'en crois que nous qui crée. Je suis là. Regardez-moi ça. Qu'on nous dit que vous êtes. Bon, d'accord, tout ça c'est pas ça le problème. Mais aujourd'hui là, elle, ses bagages, je les accompagne. Je vais te faire quelque chose, hein. C'est qu'il n'y a pas qui dedans. Va la chercher. Dépêche-toi. Sors là. Regardez-moi ça. C'est quel enfant j'ai fait.